بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Donc c'est un plaisir de vous retrouver après une longue période d'absence. Alors inshallah, je souhaiterais dans cet audio répondre à certaines calomnies qui ont été proférées à mon égard. Alors je vais donc tâcher de répondre en prenant point par point les sujets sur lesquels j'ai été attaqué. Alors, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes audios, il n'y a pas plus menteur que ces gens. De plus, je remarque qu'ils jouent énormément sur la communication en essayant d'entretenir l'ambiguïté dans l'esprit de certaines personnes considérées comme étant des proies faciles à leurs yeux, dues à leur manque d'éducation religieuse et leur ignorance au niveau de la langue arabe. Alors, j'aurais envie de dire qu'ils influencent les gens dans leurs choix religieux, car ils les conditionnent en leur disant de ne surtout pas réfléchir ou de se servir de leur raison. Car bien entendu, la logique témoigne de la véracité de notre croyance, ce qui fait qu'elle ne comporte aucune faille comparée aux autres religions qui, elles, contredisent la logique. Alors, j'entends des choses qui me font sourire, du genre « le wahhabisme n'existe pas, nous sommes les salafis, nous suivons la voie des pieux prédécesseurs, et nul d'entre nous n'en accepte l'appellation ». Ah oui, car en fait, faut savoir qu'ils ont horreur d'être appelés wahhabites, hein. Ça c'est leur hantise. Hein, ils préfèrent qu'on les appelle salafis pour mieux noyer les gens dans leur mascarade. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un de leurs prétendants savants, qui se nomme Ibn Baz, hein, qui lui, par contre, en accepte volontiers l'appellation. Alors, il assume totalement le fait que le wahhabisme existe. Enfin, je vais vous laisser écouter, Inch'Allah. Innama da'a ila tawhidillah, wa sida'i shari'ati, wa sida'i ala manhaji salaf al-salih, min al-sahaba wa salaf al-sabi'ilahum. Hada huwa. Donc, vous avez entendu, il dit en toute décontraction que le wahhabisme est un madhhab, c'est-à-dire une voie à suivre, ah, donc une école en quelque sorte. Alors, ils ne sont pas d'accord avec celui qu'ils considèrent comme étant un grand savant, porteur de vérité. J'entends dire aussi que le terme wahhabite serait un sobriquet ridicule. La raison évoquée serait qu'il ne serait pas permis d'appeler un être humain par cet adjectif. Alors, sous prétexte qu'un des noms parfaits de Allah est Al-Wahhab. Ma réponse est la suivante. Alors, tout le monde connaît l'illustre savant qu'est l'imam Malik. Les gens qui suivent son madhhab, ne les appelle-t-on pas les Malikites ? Al-Malikiyya. Pourtant, de parmi les noms parfaits de Allah, il y a Al-Malik. Donc, d'après vous, le terme Malikite ne serait pas approprié. Est-ce pour vous un sobriquet ridicule? Vous avez choisi la voix d'un homme appelé Muhammad ibn Abdul Wahhab, que vous voyez maintenant sur cette image. Alors, vous assumez le fait de le suivre, mais vous n'assumez pas cette appellation. Je trouve ça un petit peu bizarre. Alors, de plus, vous prétendez être marginalisé, c'est-à-dire être en marge de la communauté. Hein, parce que pas, malgré toute cette haine que vous déversez sur la communauté musulmane, vous permettez de jouer les victimes. Donc ça, ça me rappelle une communauté. J'en dirai pas plus. Donc j'ai une question.
à vous poser, les wahhabites. Lorsqu'on possède au moins 95% des librairies dans toute l'Europe, qu'on a les moyens d'offrir des livres à l'occasion du pèlerinage, alors les offrir, bien entendu, tout ça pour diffuser votre poison, et qu'on a le contrôle des lieux saints depuis au moins 250 ans, qu'on fait construire et qu'on détient au moins 80% des mosquées en Europe, financées encore une fois par l'Arabie Saoudite, et qu'on est présent dans la plupart des chaînes étrangères, en l'occurrence des pays arabes, c'est ça pour vous être marginalisé? Vous prétendez que le monde entier serait contre vous. Donc j'ai encore une question à vous poser, les wahhabites. Les bases aériennes autour des lieux saints seraient aussi contre vous? Vous insinuez aussi que je me baserai sur un consensus non authentique, tel que les sionistes, les chiites, ou même Thierry Messon, etc. Comme si j'avais attendu après Thierry Messon pour savoir ce qui en est de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser encore, les wahhabites. Je défends quoi, moi? Je défends la croyance telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et je combats et je combattrai jusqu'au bout votre anthropomorphisme. Donc, vous insinuez que ces gens, tout comme moi, défendent cette croyance? Je ne fais pas partie de ce consensus. Donc, ils insinuent que les chiites, les sionistes, Thierry Messon et d'autres encore défendraient cette croyance. Voilà, c'est ce qu'ils veulent insinuer. Donc, ils veulent absolument me mettre dans un consensus dont je ne fais pas partie. D'ailleurs, en vous dénonçant les pseudo-salafis, les wahhabites, je défends quoi, moi? Je défends la croyance telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et je combats, et je combattrai toute ma vie, incha'Allah, votre anthropomorphisme. Donc vous insinuez que ces gens, tout comme moi, je le répète, défendent cette croyance? Non, je ne fais pas partie de ce consensus. Donc j'invite les gens, incha'Allah, à réécouter les précédentes audios vous concernant, où je donne quand même pas mal de références, et en l'occurrence, les savants du Salaf. Donc je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit auparavant, et tous les savants de Ahlu Sunnati wal Jama'ah sont sur le même consensus. Alors, je voulais juste ensuite apporter quelques précisions, encore une fois, parce que manifestement, il y a un pseudo-salafi qui a du mal à comprendre les choses, hein, subhanallah. Alors, je vais encore répéter encore une fois. Voilà, ça fait la troisième fois que je reviens sur ce point. Hein, donc, il a du mal à comprendre. Enfin, une petite parenthèse, hein, on n'est pas dupes. Hein, je pense plutôt qu'il essaye de semer la confusion dans l'esprit des gens, en voulant faire passer mes propos comme étant contradictoires. Alors, j'avais dit qu'Ibn Taymiyyah était leur plus ancienne référence. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de référence plus ancienne que lui. Hein? Et donc, les salafs, hein, sont venus bien avant Ibn Taymiyyah, puisque les savants du salaf font partie des trois premiers siècles de l'Égir. Hein? Donc, ils ont comme plus ancienne référence Ibn Taymiyyah, ce qui implique donc forcément qu'il ne se réfère pas du tout aux savants du Salaf. Hein, et sachez une chose, il faut savoir que les savants du Salaf sont innocents, hein, de tous les égarements proférés par cet homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah. Simplement je voudrais dire qu'il y aura une autre audio qui va venir juste après, Inch'Allah. Et donc, Inch'Allah, j'aurai le temps de dévoiler certains des égarements de cet homme, qui est quand même arrivé au 8e siècle. Donc sachez que cette appellation salafi, c'est une grande mascarade, hein, c'est une grande mascarade de leur part. Donc en fait, ils détestent qu'on les appelle wahhabi. Hein, il faut savoir que ces gens donc ont suivi un homme qui s'appelait Muhammad ibn Abdel Wahhab, et qui a repris la croyance anthropomorphiste de cet homme
nommé Ibn Taymiyyah, qui a apparu, excusez-moi, au 8e siècle de l'Égypte. Voilà, donc cette appellation salafi, c'est une grande mascarade, hein. Ils veulent se cacher derrière cette appellation salafi. Alors, je l'ai dit et je le répète, hein, il n'en est rien du tout. Donc, je pense que j'ai été clair par rapport à ça. Je vous invite à écouter les précédentes audios. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre cela. Donc, comme je l'ai dit, hein, subhanallah, ces gens essayent au maximum de jouer sur la communication, hein, et en fait, ils veulent faire passer mes propos comme des propos contradictoires. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là sur ces images, hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il faut savoir que Allah Ta'ala les dévoile même sur leur apparence. Bon, j'ai pas envie de vous effrayer, mais voilà. Donc, si vous avez des enfants, mettez-les au lit. Hein. Non, mais bon, non, non. Voilà. Bon, enfin, bref. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ces gens ont voulu faire de ce débat une attaque personnelle à mon encontre. Hein, je vais pas tomber dans ce piège. Je vais pas du tout tomber dans ce piège. Bon, simplement pour que vous puissiez quand même constater les images, parce que bon, les images parlent d'elles-mêmes. Inch'Allah, il va y avoir une prochaine audio là qui va se faire et je vais continuer à dévoiler la mascarade wahhabite pseudo-salafia. Voilà. Donc, barakallahu fikum. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour la prochaine audio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.